Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Quetzal Games, ici Bird. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. On s'était quitté la dernière fois sur un combat entre Hashirama et Madara, tous les deux en Edo Tensei, et le mythe de l'arbre divin et de Kaguya Otsutsuki, la mère de Hagoromo Otsutsuki, alias l'ermite Rikudo. Donc tout de suite, on va se replonger dans l'histoire de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, mais il est laid. Et il parle trop mal en plus. Naruto, Naruto est repassé en mode Kyubi. Et on l'a pas vu. Bon, cette fois, on va a priori avoir Sasuke en allié. Effectivement. Ah, et cette fois, c'est un vrai combat de boss. Parce qu'il a toutes les barres de vie. Ok, donc il a esquivé le Rasengan. On veut le toucher et on le touche. Ça, c'est déjà une... Waouh! Qu'est-ce qu'on lui a fait perdre comme vie? Est-ce qu'on peut le charger? Ok, donc il se TP quand il... Hop, esquive. Ouch, ouch, ouch. Il fait mal, c'est vrai. Ah, je voulais le toucher avec le brise-garde. Oh. Putain, mais il sert à rien, fait chier. En plus, je me gourde de touches. On enchaîne avec un double Rasen Shuriken, ça c'est cool. Un peu de Enton. Essayons de voir si on peut le toucher. Oui, avec la technique secrète. Ouh, ça fait mal. N'est-ce pas, Obito ? Ouch. Putain, son combo est balèze. Et puis j'utilise mes permutations beaucoup trop vite. C'est con de ma part. Oh, on a failli l'avoir. Oh, est-ce qu'on le finit avec ou pas? Non, d'abord on va faire la technique secrète de Naruto. Le Rasen Shuriken Planète Terre des démons à queue. Ça devient tellement long. Et voilà. Et maintenant on va le toucher avec une technique alliée. Sauf qu'on a plus de permu, qu'on va se faire buter. Ouch, ouch, ouch. Il est vénère. Ah bah attendez.
Il a plu à cette vie. On a eu qu'un pauvre B et ça se comprend. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il a réinvoqué le Jubi. Ok, il y a un de ses yeux qui s'est fermé, je crois. Qu'est-ce que... C'est dégueulasse. D'accord, donc voilà l'arbre divin. En tout cas, c'est... C'est ce qui a l'air d'être. Puis, plus sérieusement, je sais ce que c'est. J'ai déjà fini le jeu, je connais le manga par cœur. Sasuke, bûche d'autre quoi. Mais cette fois, Sasuke et Jugo avaient le chakra de Kyuubi, ce qui est pas logique. Bon, enfin, on va arrêter de regarder avec la logique et puis. Jettoshiteiro. Omaera wa. Juste que cet arbre divin récupère le chakra, quoi. C'est bâtard. Et Naruto est vénère. Oh, Susano. Naruto, arrête de chialer, Naruto vient de battre. Oh. Susano et Kurama. Bon, ils le disent pas vraiment pourquoi, mais en fait... Ah bah tiens, si en fait. Du Senjutsu. En fait, il faut... Pour pouvoir... battre... Enfin, tout du moins, affecter le Jinchuriki du Jubi, il faut du Senjutsu. Et le Senjutsu, bah, Naruto, il en a naturellement... C'est dans ces techniques et il faut la marque maudite. Sauf que Sasuke n'a plus la marque maudite, donc c'est Jugo qui est présent. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le Susano est sur ses deux jambes. Il est de plus en plus puissant. Ok. Donc encore un combat de boss. Il a choisi une autre forme. Je sais pas comment on devrait faire pour le toucher. Tenez. Ok, donc on l'esquive. Ah, donc ok. On peut rebalancer des attaques avec en appuyant sur rond. Tant qu'on a du chakra, ça va être long. Ah, et on peut lui balancer des Rasen Shuriken. Ouch, il fait mal. On peut l'avoir au cac. D'accord, donc ça a fait que Sasuke a pas pu attaquer.
前を倒すには十分な時間だ。さっさと呼べ。Ok, donc il suffit d'esquiver ces attaques là pour l'instant. Hop. Ça va être très long comme combat. Et on a plus de chakra. Ouch! J'ai foncé dessus. Quel génie! Ok, donc il s'enfuit encore. Ok, donc ça, ça fait que dalle comme dégâts. Il a énormément de vie. Ah, on l'a touché avec Sasuke. Et on lui a cassé un bras. Et il est revenu. D'accord. Bon, ça c'est gâché du chakra, on peut pas le toucher. C'est quand tu veux. Ouch. Il m'a touché. J'ai balancé Sasuke pour rien. Ah, et il a reperdu son bras en fait. Oh, et cette fois il en balance 5. Ouch, il fait plutôt mal. Et avec les combos, on lui fait de gros dégâts, c'est cool. Ah bah il est parti. Vas-y Sasuke. Ok, donc on l'a touché encore une fois. Ah, on va changer de perso. Ça va peut-être être plus efficace. D'accord, donc tant qu'on est au cac, ça sert à rien. On lui a cassé un deuxième bras. Oh, il est vraiment pas content. Et hop, c'est parti pour des QTE. Et attention, très très classe. Kurama recouvert par le Susanoo de Sasuke. On l'avait vu dans le combat de Madara contre Hashirama. La différence était que... Alors voilà, donc ça y est. Enten Orb Shuriken. On peut lui enchaîner des attaques. Ok, donc ça change un petit peu. Ouais, mais il fait mal. Merci. Ouch, 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 ouch. Si je vais dessus, ça le fera pas. Ok, donc on peut pas l'approcher. Bah oui, on a réussi à encaisser, t'attendais à quoi? Stylé, on lui fait bien mal. Hop! On lui a fait perdre les trois quarts de sa vie. Ouch, ouch, il fait mal! Ah, on va peut-être avoir une QTE finale. Ça serait cool. Non, même pas.
Ok, donc on peut le toucher une fois qu'il a... On lui a cassé un autre bras. Il est pas content. Et non. Donc, bon, ça va être chaud d'esquiver là maintenant. Hop, c'est du gros spam. Bien dégueulasse. Ok, donc on peut pas vraiment le toucher. Et ouais, il renvoie les attaques. Et il esquive en plus. Il est chiant. Mais si, c'est possible. Ok, on spamme la touche rond. On l'a eu. Qu'est-ce que ça va donner? Ouh, la grosse explosion. Michael Bay. Bon, par contre, on va avoir une sale note. On a quasiment plus de vie. Oh, de l'ADN. Le sable de Nunoboko. Mais si, on va te battre. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un personnage du mauvais côté dans l'histoire, c'est tout. Hop, encore du gros spam. Et maintenant que tu perds, tu commences à regretter, hein? Un vrai méchant classique en fait. Le fameux sabre de Nunoboko Nama, je sais pas quoi, on l'a cassé. Parce que t'es en train de perdre, Obito. En train de perdre. On a eu qu'un B. Même si je m'attendais à pire. Et il est en train de perdre tous les bijoux. Il y a plein de tentacules, c'est du hentai. Lol. Allez-y, tirez sur nos queues. C'est tellement dégueulasse. ダレでもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と一緒で、木陰になりたかったんだな。イヴァルトゥースデヴィニアオカゲオフィナル。ステキッタカコト。アマイチブンダ。メンステジブンカクシタテダメダ。どんなに言葉でごまかしても。あんたが内川オビトだってことは変えられねえんだ。今更その名に何の意味がある。俺はもう人ではない。
次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内葉オビトだ。俺とそっくりな内葉オビトだ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのに、あんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが、火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前、それ本気で言ってんのか。そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちがオビトとして、木の葉の忍びとして、きっちり罪を償ってもらう。違う、俺はうちがオビトを捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな、こっちへ来い。なんなんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は Cette fois, faut détruire Obito encore une fois dans leur monde bizarre. Oui, t'es le second ermite Rikudo, rien du tout. Il a encore beaucoup de vie. Mais ça part plutôt vite en fait. Hop. Un petit Rasengan. Ah, et on peut charger pour faire le Shodama Rasengan. Ah merde. Trompé de touche. Oh, il a encore fait une permu, il est chiant. Laisse-moi recharger mon chakra, please. Voilà.
Mais t'as fini de tout permu. Oh, dans ta face. Pourquoi il est parti sur le côté, ce con? Ok. Naruto ne vise même plus l'adversaire. Mais on va jamais le placer, ce combo. Ah, ah, ça y est. Bon, on le finit comment? Avec un Rasengan? Mais touche-le, Naruto! Bon, bah, un simple Rasengan. Voilà. On lui aura cassé la gueule quoi? 3-4 fois aujourd'hui? On enchaîne. Il a des hallucinations maintenant. Arrête de jouer au dur, on dirait qu'il parle au caïd de son école. Allez Obito, admets ta défaite, et puis on rentre à la maison. それとつながってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もうわかっただろ。俺はうちはオビトだ。いいから来い、この野郎。ナルト、みんなの力をなめんなってばよ。 詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん、ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。 覚えてるかい？4人でこなした任務の数々を。リンは医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。リンを守れなくてすまなかった。
凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失ってのち、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける。あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういうやつだからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよ。行く？かもな。俺もいいから来い、この野郎。そう思うよ。La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Sinon, un pouce rouge, liberté d'expression, tout ça, vous connaissez. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans la description. Et pour les petits oiseaux fraîchement éclos, abonnez-vous. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser des questions en dessous de la vidéo dans les commentaires, c'est prévu pour. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook et Twitter, ainsi qu'aller jeter un œil aux pages de Quetzal Games sur les réseaux sociaux cités plus tôt. Vous pouvez aussi voter pour la chaîne sur YouTube Explorer et parler de Quetzal Games à vos amis et à votre famille. C'était Bird sur Quetzal Games, à la prochaine, bye bye.